Être patriote, c'est aussi le rôle de la société civile, de chacun de nous, de chaque Algérien. Tout le monde doit se sentir concerné par la chose publique. C'est-à-dire, je suis revenu de Paris, ça fait une semaine. J'ai mon fils qui est trader à la banque, donc à la bourse. Vous savez, en Algérie, la bourse, le bâtiment existe, il y a des ordinateurs qui ont pris un peu de poussière. La bourse algérienne ne fonctionne pas. L'Algérie n'est pas notée par les agences de notation, comme c'est le cas du Maroc et de la Tunisie, par exemple. Le Maroc est B-, par exemple. L'Algérie n'est pas connue. On prêtait de l'argent, on négociait très mal. L'intérêt. Et nous avons des capacités. Mais mon fils, franchement, il a insisté cette fois-ci, et je connais certains spécialistes dans le domaine financier, c'est que l'Algérie, on vend du gaz et du pétrole. Rien d'autre, les labiales, rien du tout. Donc, les recettes qu'engendre le pétrole et le gaz en Europe, l'Algérie est payée en euros, donc les recettes sont déposées à la banque européenne, Banque Centrale Européenne, la BCE. Mais que les Algériens sachent une chose, c'est que quand on dépose de l'argent à la Banque Centrale Européenne, il est vrai qu'il est ultra sécurisé. La Banque Centrale Européenne ne peut pas faire, le risque zéro n'existe pas, ne peut pas faire faillite. Donc l'argent est là. Sauf que quand ils te gardent ton argent, c'est toi qui paies. Tu payes le magasinage, ils te gardent ton argent, il est là, ça tu payes. 0,05, mais si on dit 1 milliard, ça fait des millions d'euros. Donc, l'Algérie, mon pays, perd de l'argent. Voilà. Avant-hier, j'ai passé ma journée à côté du Sénat, entre la banque d'Algérie. Ça m'a passionné. Ils m'ont envoyé à la Banque Centrale où il y a le gouverneur. Il paraît que le gouverneur est à New York pour une réunion avec le FMI. Je ne sais pourquoi. Je n'ai pas été reçu. J'ai fait un scandale dans la réception. Je suis descendu à l'APM pour voir la commission des finances, ils sont en réunion et tout ça, mais je dénonce. Et puis, tout à l'heure, je me suis déplacé au tribunal de Sidi Mohamed. Je vais déposer plainte contre le ministre des Finances, qui était aussi le gouverneur de la Banque d'Algérie. Il n'a pas le droit de faire perdre de l'argent à l'Algérie. S'il ne sait pas, il y a des gens qui savent. Maintenant, mon intérêt dans cette affaire, c'est de lancer le débat. Moi, je n'ai pas fait des études dans le domaine financier. Je ne suis pas spécialiste dans ce truc-là, mais je fouine un peu, je peux répondre à certaines questions et j'ai la chance d'avoir un fils qui est trader, banquier, en France et aux États-Unis. Donc, voilà le rôle de la communauté algérienne de l'étranger, dénoncer ce gâchis à haute voix et engager un débat sur ça. Il y a des gens qui disent, hier j'ai assisté à une conférence sur l'économie, sur la rentrée ou pas de l'Algérie à l'OMC, c'est très intéressant. J'ai posé la question à un certain banquier que j'ai trouvé là-bas, ancien banquier retraité bien sûr, qui n'a rien fait. Ils m'ont dit, ouais, mais bon. Le débat peut aboutir à quelque chose, c'est que l'Algérie peut faire travailler son argent, les mettre dans, bien sûr, des placements sécurisés et ultra sécurisés. Il faut prendre des risques, sinon on n'avancera jamais. On en parlera bientôt sur ce domaine économique et le développement économique de l'Algérie. Moi, j'ai confiance en ce pays. Nous avons un pays très riche, on n'a exploré rien du tout. Et nous avons des compétences ici en Algérie et à l'étranger. Donc, ce volet financier, je répète encore une chose, je vais déposer une plainte au tribunal
pour que le débat aille vite contre le ministre des Finances d'aujourd'hui, qui était gouverneur de la Banque d'Algérie. L'Algérie perd de l'argent, je suis algérien, ça me concerne. Voilà. Salut Myrthe, à bientôt. C'est bon. Très bon.